à vous les actunautes en direct depuis le Salon international du Multicoque, AGL Marine, le leader des produits cosmétiques pour le yachting et la plaisance, mettant en avant Peller Clean. Rencontrons tout de suite Thierry Le Sieur, responsable régional chez AGL SeaJet, pour nous parler de ce Peller Clean. Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas. Alors ce Salon international du Multicoque, c'est vraiment un rendez-vous incontournable tous les ans pour AGL Marine. Alors, c'est un rendez-vous incontournable pour AGL Marine et pour les amoureux du multicoque, parce que AGL Marine est un gros fournisseur avec la marque SeaJet de tout ce qui est anti-fouling et protection sous-marine au niveau du salon du multicoque. Alors, il y a énormément de bateaux qui sont exposés sur ce salon du multicoque, dont les anti-fouling et les hélices sont protégés par les produits SeaJet en fait. Alors tout à fait, on va retrouver les principales marques comme Lagoon, comme Nautitech, comme Fountaine Pajot, Outre-mer, qui eux ont tous des anti-fouling SeaJet. Généralement l'anti-fouling SeaJet qui est mis sur ces bateaux-là, c'est soit le 039, soit le 038. Nil par exemple cette année a décidé sur tous ses bateaux de mettre du 038, qui sont des anti-fouling spéciales eau chaude, avec un résultat absolument magnifique au niveau de la navigation. À partir du moment où un client met la quantité et la qualité, il est capable effectivement de traverser l'Atlantique, naviguer là-bas, revenir. Et maintenant en Méditerranée, ces produits sont de plus en plus prisés parce que la Méditerranée chauffe, l'eau est de plus en plus chaude, et d'avoir des produits comme ça permet de mieux protéger les coques. Dans certains cas, ça peut tenir 2 ans. Tout à fait, on arrive à faire tenir, ce qui est très important pour ces bateaux-là, 2 ans, parce que ça évite des sorties d'eau annuelles. Et les sorties d'eau aux Caraïbes, les actunautes, vous m'en parlerez, c'est toujours assez folklorique, surtout sur un catamaran. C'est toujours folklorique, tout à fait, donc, mais sur la côte méditerranéenne aussi. Donc effectivement, les gens les sortent tous les 2 ans, mais il faut qu'ils mettent, c'est impératif, la quantité de produits qui leur est préconisée par leurs professionnels, de telle manière à bien protéger leur coque. Alors, sur ce multicoque, vous faites une emphase particulière sur Peller Clean. Alors, Peller Clean, ça, c'est un produit extrêmement pratique pour ne pas perdre en performance sur son bateau. Est-ce que vous pouvez tout nous dire? Alors, oui, je peux tout vous dire. En fait, le Peller Clean est une protection silicone qui va complètement enrober l'hélice de silicone. Donc, comme tout un chacun le sait, le silicone a 2 avantages. Premièrement, rien n'accroche sur du silicone. Ou si ça accroche, ce n'est pas collé trop fortement. Donc le mouvement de l'hélice va faire que le petit coquillage ou la petite algue va s'en aller naturellement dès que l'hélice repart. Ensuite, le deuxième avantage du silicone, c'est qu'on est sur un produit hydrophobe. Donc la rotation de l'hélice est meilleure dans l'eau. Comme elle est meilleure, ça améliore les performances du bateau. Et on se retrouve toujours avec des bateaux manœuvrants. Même s'il ne navigue pas pendant 3 mois ou 4 mois, on va se retrouver avec un bateau manœuvrant grâce au Peller Clean. À partir du moment où le mouvement de l'hélice va permettre d'évacuer tout ce qui s'était accumulé sur l'hélice. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il faut, en revanche, le Peller Clean est un produit où on a des contraintes d'application à respecter. D'accord. Donc, il y a une préparation de l'hélice pour qu'elle soit très propre au niveau de l'application du primaire. Mais ça, c'est pareil. C'est pareil pour toutes les peintures ou les anti-fouling. Oui. Il y a quand même un mode opératoire qu'il faut respecter. Parce que sinon, il y a un mode opératoire très important à respecter au niveau de la préparation de l'hélice, de ce qu'on appelle les chiffons de dérochage, qui sont en fait des chiffons qui permettent, on ne met surtout pas d'acétone ni de produits comme ça, mais qui permettent de bien la nettoyer avant l'application des primaires. Et ensuite, il faut respecter les temps d'application qui sont dans les modes d'emploi. Ouais. Parce que le système Peller Clean est un système où la couche numéro 1 va se marier physiquement avec la numéro 2. La numéro 2 ensuite va se marier avec la numéro 3. Ah, il y a 3 couches à mettre. D'où le respect des temps d'application et qui permettent effectivement d'avoir un produit qui est efficace pendant 2 ans après. Après, ce qui est important de savoir, c'est quand on a mis son Peller Clean sur une hélice, on peut avoir besoin de sortir son bateau de l'eau pour une raison lambda. Il faut dans ce cas-là mettre l'hélice dans un sac poubelle pour que le soleil et le vent n'altèrent pas le silicone. Une fois sorti de l'eau. Une fois sorti de l'eau. Et avant de remettre à l'eau, bien entendu, on n'oublie pas d'enlever le sac qu'on a mis autour. Et là, on peut garder 2 ans, comme son anti-fouling, on peut garder 2 ans sa protection d'hélice sans aucun problème. En conclusion, on le trouve où le Peller Clean, Thierry? Alors,
Pellerklin, depuis plusieurs années, est distribué par le réseau U-Ship. Ouais. Donc, dans tous les catalogues U-Ship, on retrouve le Pellerklin qui se fait dans des kits classiques de 250 ml pour avoir une hélice. Donc, sur un catamaran, on va prendre deux kits de Pellerklin pour protéger son hélice. Mais au moins, ça tient et on a une efficacité réelle du produit pendant 2 ans. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Nicolas.